Ah, ça fait du bien de rouler un petit peu. Alors je sais, je râle souvent sur les routes bitumées, mais bon, quand même, entre la route bitumée et la galère qu'on avait tout à l'heure, bon, faut quand même avouer que la route bitumée est plus agréable à parcourir. Là, on va direction Loch Eilean, je crois, qui est un petit loch, hein, pas très très grand, mais qui était pas loin de là où j'étais. Et comme j'avais encore envie de rouler, je me suis dit que ce serait l'occasion idéale de faire respirer le monstre et moi par la même occasion. Dans ces beaux paysages. Voilà! Allez, on y va! Ok, donc Loch Anne et Eileen. Je viens de passer dans un marécage, j'ai les pieds trempés, il froid, quelle horreur! Thank you.
On prend lequel? Noir et noir. Bon, on va suivre le noir qui descend et qui remonte après. Waouh! Un petit chemin au détour du trajet. J'ai vu cette magnifique montagne avec des cours d'eau qui sortent de partout. On dirait une éponge géante. Et ça fait des cascades et des trucs, c'est magnifique. Ah, saloperie, avec des petites marches et des machins, c'est vraiment trop piéton. Tant pis, c'est encore un truc pour les randonneurs. Grrr. Le petit escalier à l'entrée aurait dû me servir d'avertissement, malgré un sentier au début qui est tout à fait carrossable. Très rapidement, ça devient du micmac pour les randonneurs avec des grosses caillasses et de la gadoue. Avait pas la peine en vous. Bon, ça a l'air de rien comme ça. Parce que la vidéo est bien stabilisée et le Slow Pocket fait un boulot formidable, mais c'est pas serein comme parcours, c'est pas serein.